Il y a partout au nom de l'islam quelque chose de... Je voudrais plutôt une réflexion internationale. Je voudrais une conférence mondiale. Parce que l'islam n'est plus à être considéré comme une simple religion, mais comme un fait politique majeur de notre temps. Vous savez, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir dit ni dénoncé. C'est-à-dire, et c'est là qu'il faut réfléchir. Pour vous, l'islam, bon, c'est la religion que vous défendez, évidemment, hein, oui. Mais au-delà du fait religieux, l'islam est devenu un phénomène politique ? Est un phénomène absolument sociopolitique. Sociopolitique. C'est sociopolitique. C'est une idéologie de lutte, c'est une idéologie d'agression, d'idéologie de Mais je vous sens dépassé, là, Dalil Boubacar. Mais nous l'avons dit depuis longtemps que l'intégrisme, le militant, qui commence par le militantisme de base, qui touche des populations, ce sont des phénomènes populaires où il n'y a pas véritablement un élément moteur, mais il y a là un dérapage, une dérive générale, mondiale.